sky's so pretty right now. I wonder if your pretty eyes see it. I need a good love. I wonder if you're ever gonna be it. In a couple weeks. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Donc, je suis à la limite des bois. Et puis, bah, aujourd'hui, en fait, le sujet de la vidéo, ça va être de mettre un petit peu de désordre dans l'ordre. Je vous explique ça. Donc, on a eu, bien sûr, souvent l'occasion d'être en forêt, de prendre des images ensemble, et je vous ai souvent expliqué que la complexité en forêt, c'était justement de pouvoir donner un peu d'ordre dans tout ce chaos environnement. Là aujourd'hui c'est complètement l'inverse, puisque comme vous le voyez je suis dans une forêt qui est relativement bien ordonnée. Alors je ne suis pas dans les Landes, hein, je suis toujours près de chez moi en Île-de-France, mais voilà, une forêt qui est bien ordonnée. Et donc on peut prendre une photo, je dirais, somme toute classique de cet alignement d'arbres. Donc on va avoir quelque chose de forcément très bien ordonné. Et puis justement, on peut essayer de mettre un petit peu de désordre dans cet ordre. Donc on va voir en fait qu'est-ce que j'entends par là. Surtout, ça va être le fait de jouer soit avec les profondeurs, soit avec le diaphragme pour donner plus ou moins de netteté et de flou et d'attirer l'œil sur un point particulier. Puisque vous comprenez bien, si je prends ma photo là pour l'instant, c'est cet alignement qui va être le point principal et il n'y a pas vraiment de point qui va crocher l'œil. Donc ça peut, dans un cas comme aujourd'hui où il n'y a pas forcément de super lumière, donner une photo qui va être complètement plate. Donc on va justement travailler pour éviter d'avoir cette photo plate. Allez, on essaye de trouver une première image, et puis on regarde ça ensemble, et puis en attendant que je trouve cette image, je vous donne l'image de ce que ça peut être quand on fait rien du tout à part se centrer. Je suis à l'endroit pour ma première composition, donc je suis juste rentré de 3 ou 4 arbres. Ici à l'intérieur. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai cherché? J'ai cherché un alignement pas trop large, et puis pas trop de fouillis, je dirais, sur mon premier plan. Donc quelque chose de relativement propre, avec, comme je suis ici, des épines de pin. L'idée sur ma photo, ça va être celle-ci. Donc je veux prendre l'alignement, donc c'est la chose la plus caractéristique dans ce genre de forêt de pin. Par contre, ce que je trouve toujours super intéressant, un peu comme je vous disais la semaine dernière, donc avec le chêne, mais ici avec le pin, c'est toujours son écorce aussi qui est relativement intéressante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une image avec la mise au point sur cet arbre, sur cette écorce. Donc vous comprenez bien que très rapidement, je vais être flou derrière. Donc il va vraiment y avoir que cette écorce qui va être nette dans le plan. Donc c'est vraiment ce qui va accrocher l'œil. Mais néanmoins, en fait, le lecteur va se créer son ambiance autour de cet arbre net, parce qu'on va voir l'alignement et puis on va voir tous les arbres qui vont se décaler, à commencer par celui-ci. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que pour rapprocher volontairement cet arbre-là, je vais monter du 24 au 70 mm, donc je vais raccourcir la distance entre mon appareil photo ici et puis donc l'arbre. Et donc comme il va être beaucoup plus proche, je vais très rapidement perdre celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un panneau. Donc je suis en forme de paysage, mais je vais juste faire un panneau en bougeant de gauche à droite pour prendre une image donc sur cet arbre-là, et puis inclure le premier arbre ici sur le côté pour avoir toute mon allée. Donc voilà en gros pour ce qui est de l'image. Donc si maintenant on regarde sur les réglages. Donc au niveau des réglages, je vais faire la mise au point sur le pin qui est ici. Je vais prendre un diaphragme relativement ouvert, donc un 6.3, 6.3, 7.1. Donc je suis au 70 mm. Et donc je vais faire un panneau pour aller ici de gauche à droite. Donc je vais faire une image. Ouais, deux images, ça suffira. Deux images, ça suffira largement. Donc voilà, donc avec la première, la mise au point sur le pin, donc je disais ici, avec diaphragme de 7.1, je suis avec un ISO 64 et ça va me donner une vitesse du 1/6, une demi-seconde. Une demi-seconde. Donc on va être à peu près dans cet ordre de grandeur-là. C'est parti, je prends les images et puis on regarde ça ensemble. I need to get up.
ticket to leave. In a couple weeks I could drive away and you could find another victim. It's not your fault I feel this way. Senseless with no direction. Et voilà, donc quand on est dans les pins, on pense forcément aiguille de pin, pomme de pin. Donc ça va être un peu ce que je vais utiliser pour ma prochaine image. Donc je vais me mettre bas relativement par rapport au sol, voire même allongé sur le sol. L'idée aussi, la caractéristique, je vais arriver à le dire correctement, de la forêt de pin, c'est la verticalité et puis la hauteur de ces arbres. Donc justement, je vais m'abaisser pour rendre encore un petit peu plus important cette phénomène de hauteur. Mais par contre, je vais m'intéresser à sur tout ce qui est au sol, donc les aiguilles de pin, la pomme de pin. J'en ai une ici qui est plutôt pas mal, je pense qu'il va me servir pour ma mise au point. Et puis j'ai une ronce qui sort, donc ça va donner un petit peu de couleur, un petit peu de vert. Alors là, je regardais... J'ai quelques branches, donc il va falloir que je fasse attention parce que j'imagine que ces branches-là vont probablement pouvoir se mettre en superposition avec les troncs. Donc il va falloir que j'utilise ce gap-là, ce trou-là pour faire passer le tronc d'arbre. Donc il va falloir que je me positionne correctement au sol. Et puis bah, après, comme je vais être à main levée, même si je suis appuyé sur mes coudes, il va falloir quand même que j'atteigne un 25e, un 30e de seconde pour avoir une image relativement nette. Donc du coup, je vais monter en sensibilité probablement du 640, du 800 ASA. Et puis donc au niveau de mon diaphragme, je vais prendre un F8 pour avoir vraiment, là je ne sais pas, je vais probablement être sur du 24 mm, mais ce que je veux c'est malgré tout avoir vraiment ma mise au point, ma netteté ici, et puis un peu de flou sur l'arrière-plan. Je ne veux pas complètement de netteté, je ne veux pas non plus un gros bokeh comme j'ai voulu le faire sur la première image, mais une profondeur de champ quand même relativement faible pour que j'aie toujours du flou sur l'arrière-plan et que vraiment on se mette la mise au point sur les pommes de pin. Voilà, c'est parti, du moins dans la théorie. Maintenant, on passe en pratique, on prend l'image et puis on regarde ça à l'écran. Allez, c'est parti. In a couple weeks I could drive away and you could find another victim. It's not your fault to feel this way. Lorsqu'il s'agit de trouver le désordre dans l'ordre, forcément c'est ce genre de sujet qu'on cherche. Donc l'arbre qui est au milieu des autres et qui n'a rien à faire ici. Et à chaque fois que je me balade dans ce type de forêt, c'est ce à quoi je pense, parce qu'il y a quelques années en arrière, je me promenais sans aucune intention. J'avais quand même mon appareil photo avec moi, mais j'étais au milieu des bois. La lumière était vraiment très très sombre parce que c'était en hiver. Et je me promenais dans une allée comme ça, et en plein milieu se trouve un bosquet de fougères qui était encore vert, et la lumière qui donnait dessus, donc c'était vraiment... Le moment inespéré. Donc j'ai pris cette photo, et cette photo je trouve que c'est une de mes meilleures photos, du moins c'est celle qui me plaît le plus. Et donc à chaque fois je pense à ce genre de sujet. Alors là le problème c'est que j'ai pas la lumière, le problème c'est qu'il est un petit peu trop près des pins, mais malgré tout je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler probablement plus ici pour avoir l'alignement. Alors j'hésitais entre me mettre ici, parce que là-bas si vous voulez j'ai beaucoup de lumière, mais par contre j'ai la lumière du soleil qui éclaire par ici, ou par contre je peux essayer de me mettre par ici, parce que là en arrière-plan j'ai plus de haute lumière, mais par contre j'ai un peu moins de lumière sur les feuilles, et puis j'ai un peu de fouillis là devant. Donc ça va être un peu la grosse problématique. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais prendre les deux images, j'espère que vous me voyez encore. Je vais prendre les deux images par ici et de l'autre côté. Et puis bah, je vais vous les montrer. Et puis vous me direz dans les commentaires laquelle des deux vous préférez. Donc sans ou avec la lumière en arrière-plan. Ou avec la lumière dessus ou sans la lumière dessus, comme on veut. Je vous mettrai un petit A et un petit B pour que ça soit plus facile dans les commentaires. Mais voilà, je prends l'image. Bon, au niveau des réglages, je pense que là je vais ressortir le pied. Il n'y a pas beaucoup de vent dans les arbres, donc je vais pouvoir me poser sur le pied. Donc ma vitesse, je ne sais pas ce qu'elle va être, mais elle peut relativement en basse. Je vais quand même monter un petit peu plus en sensibilité. Je vais aller chercher du ISO 200 pour quand même pas avoir une vitesse trop trop basse. On ne sait jamais, un petit peu de vent et ça ferait du flou dans les feuilles. Et puis donc au niveau du diaphragme, donc là je vais aller chercher un diaphragme de F8 puisque la mise au point va vraiment être sur l'arbre ici. Et puis le reste c'est plus l'environnement, donc on va laisser un petit peu de flou derrière. Voilà, c'est parti, j'ai tout dit.
je prends l'image, je prends les images, je vous les mets à l'écran, et à vous de me dire laquelle des deux vous préférez. This town is a lot of things, gets you down, it lets you bleed. And I need to get out, but I can't find a ticket to leave. In a couple weeks I could drive away, and you could find another victim. It's not your fault. Couple years and a little more gray, we'll stop dreaming about each other. It's no one's fault, we'll find a way to get senseless for one another. Yeah, we'll get pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez aimé le petit exercice, et c'est un exercice que je vous encourage à faire, c'est finalement d'aller dans ces forêts qui sont un petit peu entre guillemets industrielles. Donc avec tous ces arbres bien alignés, et puis justement d'avoir cet ordre qui vous aide à créer vous-même le chaos plutôt que d'avoir à chercher l'ordre dans le chaos quand on est dans des forêts un petit peu plus sauvages. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi votre avis hein, sur cette dernière photo, celle que vous préférez. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter. Comme d'habitude, on se retrouve mercredi avec la petite minute tuto Lightroom. Et puis sinon, bah, c'est dimanche prochain pour une sortie je ne sais où, probablement encore en forêt, parce qu'avec le temps qu'il y a actuellement, je ne me sens pas le courage d'aller ailleurs, et c'est vraiment ici en forêt que je trouve mes images. Donc en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, un bon dimanche, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.